Le système électoral n'est pas mauvais aujourd'hui. Nous le combattons depuis 92. C'est depuis 92. Et à cette époque, il était fonctionnaire, il faisait sa carrière. Ça vous dit, il a d'ailleurs une outrecuidance de nous demander en 2004. Sauf si vous ne voulez pas me permettre de lire son texte. Mais son texte, il est là. Où Henri nous disait que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes et qu'il fallait se soumettre à ça. C'était en 2004. Oh, maman! Nous venions de perdre l'élection présidentielle. Il était dans le régime. Il était au service du régime, des ongles du pied jusqu'aux cheveux de la tête. Il estimait que le Conseil constitutionnel était bon. Il fonctionnait bien. Il avait bien délibéré. Vous savez, s'il y a un combat que je mène aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'il n'advienne pas dans la scène politique des gens aux convictions politiques à géométrie variable. Moutoumé est beau quand je bois avec lui. Le jour où Moutoumé me chasse de sa mangeoire, je commence à trouver qu'il est très laid. Regardez même ses lunettes. C'est souillant, hein? C'est très souillant. Oh, ok. Monsieur Jacques. Ok, ok. Les gens qui étaient. C'est pas le système en lui-même? Non, le système est là. C'est à nous de développer la stratégie idoine pour le renverser. Nous sommes incapables, parce que nous sommes incapables d'analyse scientifique. Les gens veulent être adorés comme Paul Biya est adoré. Ils créent des partis politiques, ils organisent le culte de la personne dans leur parti. Quand vous écoutez ce monsieur parler, vous croyez qu'il est militaire différent de celui-ci. Celui-ci trouve que Paul Biya est le Dieu, il est tout. Ils adorent Paul Biya et éternel. L'autre qui parle là, quand vous le voyez parler, avec le fanatisme dont il fait preuve. Avec le fanatisme, c'est moi qui parle. Avec le fanatisme dont il fait preuve, vous avez l'impression que s'ils arrivaient au pouvoir, ils combattraient la culture du culte de la personne. Ils ne vont pas le faire. C'est pour ça que Bédibo vous dit que dans les lectures du péciste, il s'agit pour ces gens de remplacer Paul par Maurice. Et rien ne va changer. Et j'attire l'attention de nos téléspectateurs. Oui. Regardez ce qui se passe en Guinée. Voilà les opposants. Une fois arrivés au pouvoir, ils sont en train de s'avérer pire que les gens qui étaient au pouvoir. En Guinée-Conakry, avec Alpha Condé. Regardez ce qui se passe au Mali. C'est les opposants qui soutiennent les coups d'État parce qu'ils ne sont pas capables de gagner les élections. Tous ont soutenu le coup d'État contre Moussa Traoré. Tous ont soutenu le coup d'État contre Amadou Toubani Touré. Ils soutiennent le coup d'État aujourd'hui contre quelqu'un d'avec qui ils ont combattu Amadou Toubani Touré. Vous voyez comment une opposition en errance intellectuelle et politique crée les conditions pour que le peuple soit désabusé. Ce qui va se passer au Mali dans les jours à venir, c'est que vous aurez des taux d'abstention qui vont se mettre à grimper, augmenter. Parce que les gens ne comprennent plus rien. Je vais vous donner un chiffre. Très rapidement. Vous voyez, ça, c'est une étude que j'ai faite sur les résultats des élections à Douala 5. Il y avait 381 bureaux de vote en 2013. 381 bureaux de vote. Le RDPC a gagné les élections dans 328 bureaux de vote. Il était premier. J'étais là. C'est moi qui représentais le SDF. Ceci n'était pas encore en politique. Ils n'avaient pas encore découvert que le frère de leur tribu est en politique. J'étais là. C'est moi qui représentais le SDF à la commission communale de supervision. J'avais tous les procès verbaux. Le RDPC a gagné dans 328 bureaux de vote. Il faut qu'on s'interroge. Pourquoi les choses sont si mauvaises? La gouvernance est mauvaise. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Ceux qui en parlent aujourd'hui avec emphase, comme si le monde vient de commencer. Monsieur, en 2008, il y a eu des émeutes dans ce pays à cause de la gouvernance.
et ces émeutes-là précédaient la modification de la Constitution que ton patron adoré a soutenu. Et ça le disqualifie. 328, c'est-à-dire 86% des bureaux de vote ont été gagnés par le NDPC. Pourquoi? Il faut qu'on se pose cette question. Nous venons d'avoir des élections ici à Vourissante. 87 000 inscrits, 21 000 votants, 66 000 personnes ont refusé de venir aux élections. Pourquoi? C'est le NDPC qui est parti arrêter les gens à la maison qui n'allaient pas voter. Ces gens qui ne partent pas voter, les 66 000 là, ce sont des électeurs de l'opposition. C'est des électeurs potentiels de l'opposition. Le NDPC a fait 10 000 voix. C'est son plein. Son électorat se mobilise. Il défend sa cause. Ils sont allés voter. Mais les 66 000 qui sont restés dehors, qui voterait-il s'il venait au vote? Ça, ça n'intéresse pas les incantateurs. Ok. Alors, ce qui est, je termine. Ce qui intéresse cette espèce d'individu opposition politique à géométrie variable. Heureusement que vous êtes là. Vous avez les appareils. Gardez soigneusement les archives. Merci beaucoup pour la. Parce que quand quelqu'un était en une interview avec Charles Ndongo, au moment où nous avons dit que monsieur le président Biya gouverne mal, merci. Lui, il dit alors, que le président Biya est un homme d'État. L'autre point évoqué par le professeur. Il ne peut pas venir aujourd'hui alors que le président Biya n'a pas changé. Vous plaît, ben, nous dit que le président Biya c'est le diable depuis 40 ans. L'autre point évoqué. Merci. Tu ne gouverne pas depuis 40 ans. Quand vous étiez au gouvernement là, vous n'êtes pas. L'autre point évoqué.